Habillez votre volaille de Bresse. Videz-la. Et ensuite, découpez celle-ci en quatre. Manchonnez vos cuisses et vos ailerons. Et retaillez vos cuisses en deux. La carcasse sera concassée et servira d'élément de base pour votre fond brun de volaille. Préparez les légumes. Lavez-les. Ensuite, taillez rapidement une mirepoix qui viendra enrichir vos carcasses de volaille. Ajoutez la tomate concentrée, mouillez et faites cuire à feu doux pendant une petite heure. Préparez vos champignons pour le ragoût. Coulemelle, trompette de la mort, pied de mouton, girolle. Les produits terreux qu'il faudra bien laver une ou deux fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites impuretés au fond de l'eau. Ciselez votre échalote, hachez l'ail et préparez vos fines herbes qui viendront compléter votre ragoût de champignons. Votre volaille est prête à sauter. Dans un récipient avec du beurre, noisette, côté pont en premier, déposez vos morceaux de volaille. Attention, cette cuisson peut se faire à couvert sur un feu doux. Faites dégorger vos champignons. Un peu d'huile bien chaude et ensuite l'eau de végétation avec la chaleur va permettre aux champignons de perdre toute leur eau. Les ailes cuiront plus vite que les cuisses. Donc, dès la cuisson obtenue, débarrassez-les. Et finissez de cuire vos cuisses. Finissez le ragoût de champignons. Du beurre, les champignons, l'échalote, une pincée d'ail, du sel, du poivre et les fines herbes. Débarrassez ce ragoût de champignons et gardez-le au chaud. Vérifiez, en piquant les cuisses, le jus qui s'en extrait doit être limpide. Dans les sucs, faites suer votre échalote. Ensuite, pour la sauce façon chasseur, déglacez au cognac. Ajoutez rapidement le vin blanc, faites réduire. L'acidité du vin blanc va décoller les sucs au fond du récipient. Ensuite, ajoutez votre fond de volaille que vous avez passé au chinois. Vérifiez l'assaisonnement. Rectifiez si besoin en est. Ajoutez l'estragon haché. Et montez cette sauce au beurre, hors du feu. Il ne vous reste plus qu'à dresser. Et bon appétit !